Les conditions de vie des veuves militaires n'apportent aucun sourire. Certaines femmes, dont leurs maris, ont servi le drapeau. Le cas de cette dame qui, depuis la disparition de son mari, le logement est devenu un véritable casse-tête. D'autres par ailleurs décrivent la mauvaise encadrement dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Si ba veuve militaire ba Congo, en particulier ba mulwala ba sekas ba bwana yetu ba kufia chini ya drapeau. Bila ba kufia chini ya drapeau. Habatukumbuke na batushutukaka batuangalia yake. Tuko tunahangaika batoto habasome ba benjeto banenda kwa université, beta benda kwa université, salaire iko kidogo. Haiwezi hata sisi tutajenga manyumba. Pour les commandants Sekas, province du Lualaba, leur institution use de tout leur pouvoir pour rendre possible la vie de leurs anciens collègues. Le gouvernement nous octroie un terrain afin que les veuves puissent, n'est-ce pas, cultiver. Parce que nous, comme on n'a pas, n'est-ce pas, de moyens pour donner à chaque veuve un sac de farine par jour ou par mois, qu'elles-mêmes se prennent en charge, c'est en faisant, n'est-ce pas, ce champ-là, qu'elles peuvent récolter, n'est-ce pas, les fruits de leur labeur. À noter que la date du 23 juin, l'humanité se souvient de femmes ayant perdu leur mari dont leurs droits sont marginalisés.